Hello les gens, ici c'est Shadowar et Amy, on se retrouve aujourd'hui pour un quatrième épisode sur Ni no Kuni 2. Incroyable. Et avec Sora. La dernière fois, alors Sora, il est couché sur le canapé, vous le verrez pas. Sauf si... non, il nous a assez fait chier quand on a tourné Life is Strange tout à l'heure, c'est surtout ça. On se retrouve aujourd'hui après qu'on ait passé une grande map pour arriver du coup dans le canyon. Le canyon, pas le canyon. Le canyon. Le canyon. C'est la canyon. On a gagné la canyon. Le canyon Boa Constrictor. Je sais pas du tout c'est quoi le Boarasque. Boarasque. Qui est donc un truc. Attends, je suis. La petite dame dit que cette vallée. D'accord. Les pirates du ciel. D'accord. Très bien. Il y a des squelettes. Il y a des pirates du ciel. Et en fait, voilà, ça s'appelle Boarasque parce que. Il y a des squelettes de boa géants, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et ceci est un point de télévoyage. Donc ça, c'est incroyable. Ça, c'est très utile. C'est un point de voyage, pas de télévoyage. Le canyon de télévoyage, tu le télévoyage. Le télé-shopping. On met télé, tu vois. Genre, toi, il y a des bouts de squelettes partout. Ah, mais c'est le boa. C'est ça, il y a un boa géant qui est mort ici. Ou alors, il y a plein de boas qui sont morts, je sais pas. Moi, je pense que c'est un même squelette. Hein. Et là, il y a des gens bizarres là-bas. On va aller les voir. Gens bizarres. Attends, mais là, il y a un coffre. Donc, déjà, on prend le coffre. Take the coffre. Oh, moult argent. 300 florins. 300. Mais voyons, Billy. Qu'est-ce que. Billy est au sol. Billy est tombé. En fait, on peut le bourrer. Mais tu t'en rappelles, Lumi, on pouvait lui On pouvait dedans. Déjà faire ça. Ah, ils ont gardé le même truc. Ils ont pris le même code. On pouvait le taper. Ils ont copié-collé le code. Ah, mais c'est un alpaga. Un alpaga! C'est un chat. Marchand sympathique. Marchand sympathique. Oh, bonjour, bonjour. Vous m'avez pas l'air d'être des pirates, dites-moi. Ça vous dira de jeter un œil à mes marchandises. J'ai des herbes toutes fraîches. J'ai de la bonne bébé bien fraîche. Que fait un marchand ambulant dans un tel endroit? Eh bien, comment dire? Je suis paumé, en fait. J'ai magasiné un carabas, mais il y a eu du remue-ménage. Les ratocrates ont pris le pouvoir, vous voyez? Vous voyez? Du coup, dans le doute, j'ai préféré m'enfuir. Oh, je vois. Ah. Je vois, fait, mais du coup, c'est moi le prince. C'est moi le prince. Mais vous ne ferez pas sa majesté, Evan, par là. Vous êtes en vie. Oui. Mais j'ai vu des annonces de votre mort sur Mechabook. Mechabook. Le Facebook version steampunk, quoi. Mechabook. J'ai réussi à m'en sortir. Du coup, tu fais la voix de oui, Evan, bah, vu qu'il n'y a plus de fille. Peut-on savoir ce qu'est Mechabook? Je n'ai jamais entendu parler. Ah! Quoi? Vous ne connaissez pas? C'est une machine super pratique qui permet de consulter les dernières infos tout autour du monde. C'est du Made in Mekarbor. Ah, d'accord. Un pays qui, sur le continent de Meridi, tout le monde se les arrache. Désolé, dès que je parle d'un produit, mon âme de marchand s'enflamme. Ça m'a l'air bien utile. Tu n'en aurais pas en stock par hasard? Oh, j'ai votre jour de chance, 100 000 florins! J'ai pas le temps de finir la phrase, l'enfoiré, 100 000 florins, quoi. What? Mais comme je sais que les temps sont durs pour vous, je vais vous faire une belle offre. Allez, 1000 florins, on n'en parle plus. Oh! Ok. Ah! Mais... J'aime son offre, gratuit! Pire marchand ever! Alors, de base, ça coûte 100 000, mais je vous le fais gratuit. Mais parce, parce que ça me fait plaisir. Bravo, vous avez 100% de charisme. Peut-être même vital. Hein, tu es sûr? Mais oui, je ne peux pas me permettre de vous laisser dans un tel pétrin. De toute façon, je l'ai piqué dans un camion. C'est tombé du camion. Mechabook. C'est tombé du camion. D'accord, du coup, en fait, c'est un comme poudrier, quoi. Merci beaucoup, je prendrai très grand soin. Farewell. C'est avec plaisir, et si vous voulez vraiment me remercier, vous devriez m'acheter des trucs, hein? Achetez-moi des trucs! Allez! Donnez-moi 100 000 florins autrement! Le Mechabook est une machine permettant de consulter les dernières informations du monde entier. Son contenu est mis à jour régulièrement. Vous pouvez y accéder. Non, c'est chiant. Ok, encyclopédie et Mechabook, différentes personnes y portent des informations, annonces. Je pense que c'est là où tu vois tous les petits Billy, tous les mondes, les gens, etc. C'est là où de nouveaux articles sont postés. Tant que vous n'êtes pas en combat ou en situation spéciale, vous pouvez ouvrir le Mechabook avec L3. Très bien, donc là je fais ça. Prrr. Le Mechabook. Du coup, offrande au Saint Mousse, le Saint Billy. Cindy, ma grand-mère m'a toujours dit qu'il se passait quelque chose d'incroyable lorsqu'on faisait des offrandes à la statue du Saint Mousse, du Saint Billy. Du coup, j'ai tenté ma chance avec une babiole qu'on avait à la maison, mais il s'est absolument rien passé.
Je peux mettre des j'aime. J'aime. Je like. Mais un MDR. Bah ça alors, un coup d'état. Ratoléon a pris le pouvoir, la force et le jeune royaume sans avoir disparu. Que va-t-il devenir le royaume? Mais genre, ils ont même mis des petits émoticônes, c'est trop bien. Et surtout, est-ce que les citoyens vont bien? Vous êtes tous sains et saufs. Tu peux pas aller en bas, y a pas des commentaires? La vidéo elle est pas très bonne, mais bon. Aujourd'hui, Evan va se lier à son gardien. Une nouvelle page de Royaume se tourne. Ah, du coup, c'est sa date de avant, quoi. Ouais. Je peux filtrer. Non, je veux pas filtrer. Bien les je autres. Peux trier, ajouter aux favoris, ouais, c'est ça. Mister Book, les préparatifs de l'intronisation d'Evan. Ok, ouais. Intronisation, c'est pour mettre le roi sur le trône. C'est bizarre, hein. Fils de feu et Léopold ont débuté à Karabakh. Le gardien Belgracine va même venir en ville afin de sceller son union avec le nouveau roi. La ville est en pleine effervescence. Encourageons le roi Elia de toutes nos forces. Elia, Evan, Elian, je sais pas pourquoi. De toutes nos forces. Je vous conseille à tout le monde de goûter au brioche poisson de Karabakh. Vous allez en être accro, c'est garanti. Je fais pas du tout ma pub, hein, rien à voir. Je viens juste de me mettre un Mecha Book et je vois plein de méchasses de Mister Book. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Ben oui, on voit sa tête. Ouais, ça va, il en a juste posté deux, quoi. Mais deux sur six. Droit d'Elo. Ouais, mais... Ah, ah, mais tu vois, je l'avais dit. La plus grande star de Mecha Book, il sait tout sur tout, c'est incroyable. Il est toujours au courant des dernières infos. Tous ses messages sont une mine d'or. Il paraît que c'est le créateur de Mecha Book. Mm-hmm. Il s'excite toujours pour rien, ce gars. Merci pour vos encouragements. Mister Book, il est là. Oh la vache, j'ai percé. Mon dieu, mais... Ah, les commentaires des autres. Twitter, quoi. Ah oui, j'ai déjà lu ça quelque part. Pareil qu'il y a plein de statues dans le monde. Très bien. Quoi, c'est une blague? Le couronnement d'Evan, alors. First! Oh putain, ils ont mis les... C'est possible, un truc pareil. Les gens de Karabakh, vous allez bien? Le roi d'Evan, bah il est mort. Pray for Karabakh. Oh putain. Putain, par contre, ils sont allés loin là. Moi qui devais aller à Karabakh dans deux jours. Alors, des news? Personne n'en a faux. Il faut être patient. Ouais, ils sont allés loin. Ouais. J'ai hâte que ça commence. Je me demande par où Belgracine arrive. C'était quoi ce bruit d'explosion? De la fumée qui sort du château! Attendez, il se passe quoi là? Il est trop tôt pour la cérémonie, non? C'est un accident peut-être? Faut que je prenne ça en photo, plein de gardes dans les... Comment ça prendre ça en photo? Il y a des photos? Je vais aller voir ce qui se passe. OMG, je veux trop voir Belgracine en vrai. RIP Léopold. Léopold, ta mort va laisser un grand vide. Evan un peu trop jeune pour être roi. Ça veut dire quoi? Intronisation. Ils sont allés tellement loin, ils se sont fait tellement plaisir. Ah putain, ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. C'est au poisson. Putain, non mais le comme pire, le nom l'indique, c'est... oui. Le pire, c'est que ça, franchement, dans des j'ai vidéos, il y a ça. Venez tester. J'adore les brioches. Putain. Ok, bon, du coup, on a tout lu. Très bien. Je trouve que ça va être rigolo de lire. Mecha Book, ça va être rigolo. Alors, qu'est-ce que tu as à nous vendre, toi? Chercher des marchandises très rares. Voyons voir. Il faudrait mieux de vous préparer avant d'entrer dans la ville. Vous savez, heureusement, j'ai ce qu'il faut pour vous aider. Achetez. J'achète. Le petit pain le doré. Petit pain doré. Alors, on a que 800, donc on va éviter de... Voilà. Moi, je n'achète rien. Un joyau semblable à une larve d'ange, réanimant... C'est quoi, rapière du narval? On va acheter que des... Vieille cape. On l'a déjà, non? Ouais. Ouais, déjà, vieille cape. Et un flora, Sonne rapière marine. Du narval. Qui peut rendre sourd, Catherine? Bah ça, du coup, c'est des... Un flora. Pourquoi ça coûte un? On l'a pas, rapière. Ben... Non, on l'a pas. Mais pourquoi ça coûte un? C'est genre c'est bizarre que ça coûte un florin. Bague. Ah tu peux mettre des bagues. La bague Helio. Oh mais Helio. Enfin c'est la petite bestiole là, je l'ai vue sur un truc. D'accord, je peux la voir. Oui. À chaque oui, je veux l'équiper maintenant. Sur lui. Ah il y en a qu'une. D'accord, ça coûte un parce qu'il y en a qu'une en fait. Genre est-ce qu'il y en a qui sont ultra craqués quoi? Genre 45 25 40 30 40 30. Alors il y en a deux. Il y en a une qui a C et C. Alors, restaure des PM lors de soins, dégâts contre les monstres virtueux. Bon, l'épée sylvestre, on va la prendre. Et on va la mettre à lui. Genre, une qui la booste vachement... Bah, c'est la même chose, on peut donner ça. Et du coup... Par contre, je sais pas pourquoi c'est rouge, en fait. Ah, si, parce que c'est les épées, ah, c'est les épées avec des effets. Sabre en titane. Celle-là, elle est sympa, en vrai. Ça... Ah Pierre, oui, je voudrais l'équiper. Ah. Hop, ici. Hop, Katana Jade. Chance de critique plus dégâts contre des monstres primitifs. Ok, on va le mettre. Oui. Ça coûte, de toute façon, ça coûte un florin, je veux dire. À quel moment t'as cru qu'on n'allait pas l'équiper? Le glaive. Et puis le sabre pirate. Technique. Alors, technique, dégâts et PM. Dégâts contre des monstres. Ah, ça c'est peut-être pas bien en fait.
Bref, bon, dans tous les cas, on va le mettre hop, à lui. Parce que ça, ça les fait mieux. Ok, très bien. Au moins, ils sont équipés. On a pris toutes ces machins. À plus tard, salut. Hein. J'avoue que pour les gens qui regardent pas, c'est bête, quoi. Ouais. Ah, il y a un gros truc, là. Un gros truc ? Là. Il y a des... C'est quoi, un ennemi en face ? Ah, il y a des blobs, là. Des bloops. Des blobs. Alors, c'est pas les blobs, c'est le vulcanobloop. Et là, c'est quoi ? Un rafula. On dirait des petites. Mais par contre, je peux pas les. Ah si, je peux les. D'accord, oui, je peux enchaîner directement sur le combat. Rafalia. Les Rafalia. Mais par contre, je me souviens plus comment on joue. Excusez-moi. Comment on joue ? Voilà. C'est quel jeu déjà ? C'est quel jeu ? On joue à quoi là ? À Okami. Okami. Ouh, salut. Un haricot mûr. Oh, la pomme, The Mist. Un haricot pas mûr. Ah, le méditrèfle à deux feuilles. Incroyable. Je pense qu'on va peut-être pouvoir faire genre des potions. Et ce qui est bien, c'est que j'adore, en fait, j'adore quand genre ça, y a pas de transition, tu vois, les combats ils sont là et tu rentres direct dans le combat quoi. Ça c'est bien. Ça c'est, franchement c'est cool en termes de transition. Parce qu'à chaque fois, du coup, le premier il fallait aller l'attaquer et après ça faisait comme sur combat. Les maps, ça, ouais, ça faisait un truc à part. Alors que là c'est cool, ouais. T'arrives, c'est paf, tu rentres dans le combat, il y a juste la petite zone qui se met, c'est vachement plus dynamique en fait. C'est ça qui est cool. C'est vachement cool. Et là il y a que c'est un peu à la cage. Sauf que ouais, t'as pas de zone dans le cage, quoi, c'est juste ça. Oh là, c'est quoi ce truc qui tourne ? Oh my ! Oh Roland, regarde ! C'est une girouette incroyable ! C'est un spinner ! Qu'est-ce que c'est ? Un spinner géant ! Un herbicoptère ! Une plante qui pousse entre autres dans la vallée Boarasque ! D'accord. Ces feuilles peuvent tomber si vite qu'elles peuvent créer une petite tornade. On n'a pas envie de ça. Est-ce vraiment le moment de parler botanique ? Je l'avais déjà vu dans les livres, mais c'est la première fois que j'en vois en vrai. D'accord. Désolé, allons-y. Je suis sûr que ça sert à quelque chose. Bah oui. Genre, ça sert pour pouvoir monter. Ouais. Je suis sûr que genre, on fait ça. Je peux pas interagir. Je croyais que je pouvais sauter avec... Je peux pas sauter avec... Et... Ah, tu peux pas prendre des vannes ? Tu peux pas changer si, Pam ! Non, ça glisse, chef. Ça glisse ? Tu peux pas prendre des vannes ? Non, je peux pas prendre des vannes. Bah, faut faire un truc pour qu'il... Je peux prendre des vannes ! Bah oui ! Mais I don't know que je pouvais faire ça ! Vas-y, tu sautes vachement haut, là. Yeah ! T'as pas le double saut ? Non, j'ai pas le double saut. Il a pas le double saut non plus. Non, mais de toute façon, c'est sûr que, genre... Je verrais trop qu'il faut taper dedans... Mais viens, on va faire autre chose. Faut un sort, faut faire un sort. Oui, faut un sort de vent et ça fait une petite tornade, ça permet de monter. Aïe! Ouais. J'ai mangé. Tu peux essayer de te battre avec toi? Non, ça va. Ça c'est bien parce qu'ils t'ont pas dit que tu pouvais switcher de perso et tout. C'est ça qui est. Voilà, ouais, par contre, je suis en train de crever. Donc, tu te calmes. Non! Les petits bélis! Mili-mili! Chou, il y a un truc qui brille. Oui. Je crois qu'il m'a sonné. Pas du tout. Mais c'est pas Donald. Hein. C'est un peu près le même rôle. Mais plus efficace, j'espère. Efficable? C'est un bien beau paysage. On va tomber, on va mourir! Look! Tu vas voir la Lady biche. Tourbillon. Oh là là, c'est beau. Une Lady Tourbillon. C'est un vertige, hein, quand même. J'avoue. Tu fais quoi si tu sautes ? Je meurs. Je non, peux pas le sauter. Il y a un mur invisible ? Ouais, il y a un mur invisible. Ils sont pas, elles sont pas non plus... Ah, une arête. Une arête géante de serpent. Une arête. Pas l'arête dans le beefsteak. C'est bon, le beefsteak. Ah, je suis tombé par contre, j'aurais pas dû tomber en fait. Mais tu peux... Je peux... Ouh ! Il est... Fatou, celui-là. De quoi ? Lui. Ah ! C'est quoi ? Approche-toi du vas-y. C'est un... Un grand vilain. Un groin... Un groin... Groin Félix. Non, je sais pas, j'ai pas trop... Est-ce que j'ai oublié un truc, là ? Non, j'ai tout. Eh ben, on va se le faire, hein ? On va se le faire, moi j'ai pas peur. Une fois, il fait hop. Une fois. Mais je vais juste aller prendre le coffre d'abord. Une noix croquante. C'est croquant. Moi, j'aime quand c'est croquant. J'aime quand c'est fondant, quand c'est croquant. Bon, allez, on va lui faire sa fight. C'est un... Aïe! Bon groincheux! Un groincheux! C'est un groincheux! D'accord. Oh putain, il prend tellement pas de dégâts. Barre-loup! Oh!
Bam 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 bam. Putain, il tournoie, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il fout? Brrra. Ah, je vole. Merde. Ça va en fait. Qu'est-ce ils font des trucs et ils font. Oui. Ils font les sirènes. C'est ça. Un bonbon à la pêche. C'est fou le nombre de merde qu'on ramasse là. Franchement, c'est un véritable dépotoir leur machin, c'est pas possible. Dépotoir. Oui, c'est un peu ça. Hop, ah, il y a le petit chemin. Oui. Le petit pont. Ah, je peux pas descendre là par contre, faut que je descende là. Take the petit pont. Et un plus. Voilà. Est-ce que je peux tenter? Non, ils veulent pas. Salaud. Mais c'est bien parce que ça t'évite de mourir bêtement. Oui, c'est vrai. Hop, genre comme moi quand je pourrais mourir. Un œuf ordinaire. Hop. Oh là ça passe. Stylé ça. Oh, oh le coffre, le petit coffre. Hop. Oh. Un collier, un de, collier garde. De garde. Ah, ça tu peux le mettre. Je ça je sens que c'est un truc qui va qui va permettre de remonter la défense. Du lait standard. C'est quoi cette bouteille de lait? Insupportable. Insupportable. Elle ne s'arrête jamais. Un caillou. Oui, on a récupéré un caillou. Mais bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que je voulais attendre dans l'équipe. Mais en termes de pas de pouvoir, en termes de trucs comme ça. Ouais. Le collier. Ah, le collier de garde, c'est le truc que j'ai acheté. Non, c'est pas le truc que j'ai acheté. Lui, c'est la bague Helio. Voilà, c'est moi qui l'ai récupéré. Et du coup, collier de garde. Ah, j'ai un collier de vigueur. Augmente les PV. Et là, augmente la défense. Ah, la défense c'est bien. Ah, c'est mieux que. C'est mieux que tu peux pas mettre la bague. Mais je l'ai déjà la bague. C'est moi qui l'ai. C'est lui qui l'a. C'est moi qui l'ai, c'est lui qui l'a. Ready for this? Oula, j'ai mangé. Je vais faire tomber. C'est des piafoudres. Attention, c'est des piafoudres. Oui, ils vont me faire. Ils nous envoient des boules de feu, je crois. Chose me dit. Bah, mais, non, mais franchement, la foudre, c'est des piafoudres, mais regarde, ils envoient des boules de feu. Je ne déconne pas. Oh non, tu te soignes pas. Oh no, you don't. Mais arrête de bouger! Putain. Tu niches. Tu précises quand même que tu parles au chat parce que. J'aime lécher les doigts. C'est un peu bizarre. Pourquoi tu me lèches? Pourquoi tu me lèches? What the fuck? What the fuck? Ah, je suis sale des mains. Visiblement. Pourquoi il y a un œuf géant là? Ça se casse ça? Ça genre, il faut le tourner. Je sais pas. Eh, mais ça, il y a encore. Alors, mais ça, déjà, on a récupéré un truc. Inventory. On a récupéré. Alors, pas le bonbon à la pêche, on s'en fout. La bague rustique de l'ombre. D'accord. On a récupéré le bâton magique. 11, 17, 18, 16. Ah, mais faudra l'équiper, ça. C'est quoi? Non, mais ça, on s'en fout, en fait. C'est quoi que j'ai récupéré? Merde, je le trouve plus. J'ai récupéré un truc, je sais pas où il est. C'est quoi? C'est le. C'est un marché, c'est un truc de tournoi machin là, il parlait de, d'un truc qui tournoie. Là, Lady Tourbillon! Ah, d'accord. C'est rien à voir. Du coup, ça n'a rien à voir. Mais je pensais que c'était un truc justement qui. Par rapport à ça, tu vois. Un objet qui permettait de. Quand tu prends Evivan et que tu vas vers l'hélicoptère. Il dit pareil. Il a dit pareil, ouais. Bon, du coup, ça permettra de récupérer un coffre ici plus tard. Ouais. Tant pis. Ok. Il y a plein d'œufs là. J'ai un livre sur les pirates dans le ciel. Sanglonion. C'est un cochon qui pleure. Non, c'est un oignon. Ah! C'est tellement sec. Ah, mais c'est niveau 7 maintenant. Oui. C'est très bien. Bravo! C'est très très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très bien. Félicitations! Brum, bon, il est combien? À l'attaque! Il est coincé. Il est niveau combien? Il est coincé. Il était coincé vers l'œuf. Oh. Ah, il utilise le canon dans le vide. Ils ont essayé de péter les trucs là. Genre. Il y a un truc au-dessus, alors je suis censé pouvoir le récupérer. Rien au-dessus. Bah si, là, il y a un... sur celui d'en face, il y en a un. Ah bah c'est en montant avec les. Ah bah oui, là t'as encore le truc là, et voilà, on peut pas monter. Et moi. Pas, attends, je vais essayer de glitcher.
Regardez, je peux glitcher là-dedans. Laisse-moi glitcher. Laisse-moi glitcher, ça marche. Qu'est-ce qu'ils ont testé? Passez là. Passez là. Allez, mais ça passe tellement. Oh, ça passe tellement. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Y'a un coffre! Y'a un coffre! J'ai vu. Attends, je suis juste. Arrête, tu fais. Allez, mais ça passe! Tant pis. Coffre! Tu veux pas niquer le game comme ça? Tu crois que tu peux monter sur. Putain, flingue! Le transperceur d'habileté? Pour transperceur habile. D'habileté? Je sais pas. Flingue. Transperceur Sally. Et là, non, il y a le transperceur d'habileté. Ah, ouais, c'est ça. Et il est plus fort. Il a des choux critiques et tout. Le transperceur d'habileté. Incroyable. Et lui, du coup, il a le bâton magique. Mais là, il y a la baguette rustique. Take the baguette rustique. Mais il y a un truc en moins, là. Alors, il y a moins 1 en magie. Mais après, il y a les dégâts d'ombre. Et ça, c'est stylé. Même si la baguette, elle est ridicule. C'est un bout de bois, quoi. C'est juste un fucking bout de bois. Hop. Encore le machin. Il n'y a pas moyen de monter. Oh non, nous devons absolument y aller. Non. Hey, venez ici, suivez-moi. Ok, on a compris, venez ici, suivez-moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Lady, venez ici, suivez-moi. Ici, ici. Ici, ici. Et Billy. Suivez-moi, je suis Robin. Tu crois qu'il veut qu'on le suive? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Je vérifie. Oui, mais c'est mieux. Eh ben non. On va sauvegarder. Et c'est la fin de l'épisode. Oh bah, je vais lui montrer quelque chose. Tu feras mieux de le suivre. Oui, non, mais c'est bon. Oui. Tu te calmes. Mais putain, je veux sauvegarder. Vous êtes sérieux? Tu peux pas aller jusqu'au... Mais ils ont craqué. Mais non, mais ils ont craqué. Mais non, ils vont m'empêcher de sauvegarder, vraiment. Là, par contre, ça, c'est complètement débile, quoi. Non, mais ils sont sérieux, putain. Oh, putain. Du coup, j'ai pas pu prendre le... Je peux pas prendre le truc de téléportation. Ils sont trop cons. Ils sont vraiment trop cons d'avoir fait ça, quoi. Putain. D'accord, bah je vais le suivre, puis je vais retourner en arrière après, quoi. Sauf qu'on va arriver à combat de boss, puis si je meurs, on recommence tout. Eh ouais. Bon, tu t'installes? Un bonbon à la menthe. Ah! Il y a quelque chose dans ce trou. Hé, hey, copain! C'est Timmy! Oui! Il y en a qui dansent et tout. Oh! Un nouveau petit béni! Ah, mais c'est lui qui va faire le trèfle! Qui va activer le trèfle! Ouais. Je vois, il voulait aider son camarade, mais du coup, il avait pas besoin de nous. Tu étais coincé dans le trou, petit Billy. Anémone. Bijou. C'est pour moi. Oh, la branche d'arbre incroyable. qu'est-ce que c'est? Pardon. On dirait bien une branche. Merci, Capitaine. C'est la baguette de Voldemort. Je vois ça. Ici. On dirait qu'il y a autre chose à le montrer. C'est pour soi. C'est pour toi. C'est pour toi. Un que la magie. Vous avez appris sur Rafa. Et ben voilà. Comme dans Clash. Comme dans Clash. Rafale. Rafale X après. Et bon. Qu'est-ce qui s'est passé? De la magie, trois petits points. Je crois qu'il m'a transmis un sort. Regarde. Ben voilà. Magie là. J'ai l'impression qu'il veut que tu essayes le sort sur cette plante. Je fais n'importe quoi, le chat il est en vert. Et ben non. Oh, balourdé. Oh putain. Essaye le truc rafale dessus avant. Mais je suis en train de revenir. Me bloque pas, bordel. Putain, c'est incroyable ça. Ping, 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 ping. Ah oui, d'accord, le sort rafale en fait, c'est juste. Voilà. Oui! Wally! Voli! Gosh! Wow, les Billy sont incroyables! Donc celui-ci peut contrôler le vent. Ça peut nous être utile. On peut se barrer maintenant, c'est bon? Non, monte. Ouf, heureusement, je peux retourner en arrière.
Qu'est-ce que tu fais, Billy? Moi, je vais récupérer les trucs, hein. Yop. D'accord, c'est encore du combat. Je pensais qu'il y aurait d'autres. Toujours aucune trace de ces fameux pirates. Aïe, aïe, j'ai mangé. Ouh. Expelliarmus. Bam. Cassez la gueule, tiens. Bref, mission. Meurs, vilain. Pourriture communiste. Pardon. C'est l'émotion. Vieux machin. Vieux machin. Espèce de bidule, là. Mais c'est un coffre caché dans les fourrés. Incroyable. Ouvre l'œil. Le méditrèfle. J'ai plus ou moins l'impression que la suite de l'aventure, du coup, c'est là, en fait. Du coup, ouais, en fait, on va retourner en arrière. Je pense qu'on va retourner en arrière pour faire, pour aller là-bas, pour voir ce qu'il y avait au-dessus, en fait. Là où il y avait les petits bélés qui nous demandaient d'aller. Yo, pouh. C'est incroyable comme c'est grand. Trop de choses à faire. On s'y perdrait. Ouais, franchement, on s'y perd. T'as le truc qui est toujours là. Oui. Ah, c'était pour un coffre. Ouais, non, mais c'était bien d'y aller. C'était bien d'y aller quand même. Oh, des bottes fourrées entières. À quoi ça sert? Je me demande. Alors, les petites bottes. Parce que les souliers de ville, c'est rigolo. Mais là, oh, résistance au vent plus. Vas-y, on va les mettre. Ah, il y a la bague de soldat maintenant. Attaque à courte portée augmentée. Très bien. Ouais, non, du coup, c'est pas la folie. On va plutôt échanger. Voilà. Et lui, du coup, on lui met la bague de soldat. C'est très bien. Parce que attaque courte portée, c'est carrément plus lui. Hein. Ah, mais carrément. Parce que lui, c'est beaucoup plus des sorts et des attaques à distance. Donc, clairement, court portée, on est plus sur Evan. Sur Roland, je veux dire. Est-ce que le sort est toujours actif? Est-ce que ça reste toujours actif? Oui. Oui! Oui! Oh. On décalait. Dis donc, petit, ton arme est pas un peu grande. Ta taille, quoi! Franchement, genre, il fait la taille de l'arme, quoi, le sort, il est. Je sais pas. Hop. Oh, oulala, ça fait des attaques là. Boum, boum. Attaque, cannonball. Ah non, c'était du soin. J'aime beaucoup le soin. Le soin, c'est bien. Oui. Ok. Toujours plus de trucs. Mais c'est incroyable ce jeu, il y a tellement de trucs à ramasser tout le temps partout. Ouais. Genre c'est un putain de dépotoir ici. Une bouteille de l'estandard. C'est quoi le drapeau là? Tu vas trop vite, on voit rien. Quel drapeau? Ah là, c'est le drapeau des pirates. Ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est la plusieurs fois qu'on le voit, donc je pense que ça doit être le drapeau des pirates. Oh, la zone de boss. Non, ça va, c'est pas non plus des boss, mais... Ouais, niveau 5. Brrr. Aïe, 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 aïe. Ils font beau quand même. Go! On n'a pas vu encore l'attaque des petits verts. Chaque fois, c'est les blancs qui se déclenchent avant. Ah putain, il y a ça encore. Hop. Quelque chose caché de l'autre côté. Tu peux monter? Un coffre. J'ai pas l'impression que je puis. Non. Yep, pas. Ah, par contre, il y a quelque chose. Un caillou. Il y avait un caillou. Très bien. La surenchère. Un caillou. Vous trouvez un caillou. Vous trouvez une fleur rose. Vous collectionnez des objets inutiles. J'avoue. Voilà. Et où vas-tu? Non. Damn, damn. Brrr. Cher, hein.
Hey, il est costaud en fait, hein. Il fait genre je sais pas me battre. Puis là maintenant il fait des méga sorts et tout. Bon, laisse tomber. Victory. Alors du coup, il y a un truc au-dessus visiblement. Mais là il y a le coffre. Une tasse de thé. À la pomme. Une tasse de thé à la pomme. Parce que c'est mieux, tu vois. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui coule de cette cascade. On est dans le désert. On est dans une vallée. Désert. Bon d'accord, c'est un peu sec, c'est vrai. Mais bon, il y a quand même de l'eau. Mais l'eau, elle sort que... Attends, est-ce que je dois faire... Aïa ! Oh, c'est stylé. Aïa, aïa, ça mouille, ça mouille. Pourquoi genre... Aïa, ça mouille. L'eau, ça mouille. Oh. C'est chiant, l'eau. Il y a moult de gens là. Il y a moult de gens. Carrément. De gens ! Doucement, les enfants. Eh, hey, niveau 9, je suis bien. Ouais. Ah non, il se remet à tourner, forcément. Ouais, c'est tranquille. Ah non, 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 non. Oh, il m'a défoncé. Vas-y, je vais te défoncer, toi. Il est pas derrière. Vite ! Tu veux faire le soin, s'il te plaît ? Ah, il fait pas le soin. Oh putain. Oh. Billy, fais le soin ! Prends l'autre, prends Roland. Je peux pas changer en fait combat. Ah si je peux. Ça c'est nice. Je suis en vie, il a plein de points. Ouh, excuse-moi. Mais oui. D'accord. Vite, 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 vite. Le canon. Il y a un gluant en métal là. Oh putain, inefficace. Très bien. Je peux pas lui faire de dégâts, je peux pas comprendre. Ah bah un coup de canon, ça suffit pour le tuer. Nice. T'as le canon, c'est tellement invincible. Là, je pense qu'on arrive au bout parce qu'il y a plein de petits drapeaux, des fanions. Et ouais. Tout. Et on se rapproche de plus en plus, à mon avis. Là, on monte. Hein. Ça monte, ça monte. Ah, et puis là, il y a des structures plus. Non, c'est juste des fanions. Mais c'est super grand. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh, madame! Eh, madame! Et madame, reviens! Spectre de vent! Là, là! Tiens, boum! Oh non, j'en touchais qu'un! Ouais, voilà. Oh. Le coffre, le coffre! Yep. Il fait tellement mal avec ses boules! Ces boules! Ces boules! Et là. Celles, je te sais, boules! Ces boules là, elles font vachement mal en vrai! Elles font vachement mal! Elles font des dégâts de ouf en fait! C'est grâce à la magie ça! À la magie, tout de suite ça fait mal! Hein. Ok. C'est devenu bien étroit! Oh, une statuette! Ah, il faut lui donner une offrande! Une voix sans provenir de la c'est statue! C'est le Saint-Billy! Saint-Mousse. Donne-lui quelque chose. Ce que je souhaitais donner en offrande sera un mousquetaire naîtra. C'est trop bien. Un bélicotaire. Un ingrédient croquant qui ajoute une petite plus au plat. La noix croquante. Oui, je vais donner la noix. Ça va, il te guide. Ça va, ouais. Franchement, il te met que c'est celui-là. Quoi. On en a plein. Vous avez déposé une noix croquante devant la statue du Saint Mousse. Que la force des mousses soit avec vous. Que la force des bélés soit avec vous. Oh. Une petite feuille. Un Billy est sorti de la statue du Saint Billy. C'est Alice la Lolita. Je m'appelle Lolita. Alice la Lolita, même please. Mais en vrai, je pense que les traducteurs, enfin, ils sont venus genre, alors, vous traduisez le jeu, mais genre, on vous donne carte blanche, quoi. Vous mais faites grave. Ce que vous voulez, tu vois. Donc je m'attends à avoir des références genre purement françaises, quoi. Déjà Alizé, et Lolita, Alizé, c'est oui. Déjà... voilà. Première offrande. Est-ce qu'on peut... non, on peut plus l'offrir. Très bien. On a trois Billy. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'on a passé quelques trucs à la trappe, mais là, on a récupéré Alizé. D'ailleurs, qui est le deuxième? Comment ça, c'est quoi son nom, deuxième? C'est Anemo, c'est ça. Anemo le maître. Alizé la Lolita. Alizé Robin, Lolita. Le justicier. Robin, le justicier. Du coup, on en a deux devant et un normal. Très bien. Ah oui, à chaque fois, en fait, ils ont pas les mêmes attaques. Vento Festival, corps de, pierre. Et lui, il a rituel curatif et éveil de vent. Du coup, à chaque fois, on a un truc différent. Ouais.
Et du coup, lui, il est niveau 4. Mais je crois qu'après, tu pourras... Oui, c'est ça, il est monté niveau 4. En fait, t'auras plein de Billy, et il faudra en choisir 4. Oui, c'est ça, en fait, tu en choisiras 4 parmi les trucs que t'as. Voilà, exactement. Dans tous les cas, on espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ni No Kuni 2. Un autre monde. Un autre monde 2. C'est vrai que là, s'ils avaient traduit un autre monde 2, ça aurait été quand même un petit peu triste. Un petit peu triste, quand même. Du coup, on vous donnera le voix la semaine prochaine où certainement on arrivera chez les pirates. Je pense qu'on va arriver chez les pirates. Ouais, je pense aussi. La semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, bien évidemment. Allez, salut, salut à tous. Oh, mon sang.